Salut à tous, c'est Tibbs. Alors voilà, je vous fais une nouvelle vidéo. Donc déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et du jour de l'an. J'espère que vous avez bien fêté ça. Ensuite, pour vous souhaiter une excellente année 2015, j'espère que vous allez avoir une bonne année. Meilleure que 2014 pour certains. Il y en a qui ont des petits problèmes, bien sûr. Mais j'espère que vous avez passé une bonne année 2015. Voilà. Ensuite, pour vous parler de l'actualité, sur mon actualité à moi. Pour ceux qui ont suivi ma page Facebook et mon profil, donc comme vous avez pu le voir, moi et les MDS. C'est terminé, je ne suis plus dans l'MDS. Alors contrairement à ceux qui pensent que je suis parti de mon plein gré, non, je ne suis pas parti, je me suis fait virer. Mais l'MDS quand même reste l'MDS, ils ne sont pas séparés, rien d'autre, ils sont juste séparés de moi, voilà. Beaucoup m'ont demandé pourquoi, d'ailleurs je me suis fait harceler, franchement, j'ai passé 2 heures à répondre à tout le monde en essayant de jouer sur les petites choses, mais non, j'ai pas pu, c'est pas possible, tout le monde m'a posé des questions, hein, ça m'a saoulé d'ailleurs. Mais voilà, donc je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer. Alors pourquoi ils m'ont viré? Déjà, comment dire, ça faisait déjà 2 mois que ça durait, que ça traînait, je ne jouais plus trop avec eux. Honnêtement, c'est moi qui le dis, c'est pas, je ne sors pas des mots de chez eux, c'est moi qui ne jouais plus trop avec eux, je suis d'accord avec ça. Je jouais surtout avec mes collègues, mes vrais collègues, qui je traîne souvent. Donc du coup, c'est normal qu'ils étaient collègues avec la MDS aussi. Hein. Je cache pas, ils étaient collègues avec eux. Mais voilà, ça les a un peu saoulés à force que je fasse bande à part, on va dire ça comme ça, que je fasse bande à part. Alors pour vous dire que j'avais pas trop un comportement d'équipier de MDS, j'étais plutôt à part avec eux ces 2 derniers mois, donc voilà. Bon, en même temps, chez les MDS maintenant, avec moi, hein, je compte avec moi, on était à peu près 4-5 actifs. Honnêtement, on était 5 actifs, et encore d'autres ne pouvaient pas jouer tous les dimanches à cause de madame ou autre, que je comprends totalement, moi je suis jeune, j'ai pas de femme. Du coup, voilà, je peux jouer tous les dimanches, j'ai aucun souci avec ça. Mais eux, c'est pas pareil, ils avaient des obligations, et donc voilà. Donc souvent, on se retrouvait à 3, et à 3, ben, on forme pas forcément le même jeu qu'on avait au début, qui était de 7 ou de 8. Forcément, c'est pas la même chose. Donc c'est un peu ça qui m'a. Comment dire ça? Qui m'a un peu exclu de l'équipe. En fait, c'est moi qui me suis exclu tout seul, entre guillemets. Mais voilà, donc je regrette, honnêtement, ben, sûr, je regrette. J'ai passé 2 années magnifiques. Avec les MDS, donc tout le monde, je sais pas les noms, ça sert à rien, mais ouais, ils vont tous reconnaître, bien sûr. J'ai passé 2 années magnifiques, c'est ce qui m'a propulsé sur YouTube. Je sais pas, j'ai pris 1000 abonnés avec les MDS, je crois. Un truc du genre, 900 ou 1000 abonnés avec eux. Ça fait partie du parcours, c'est normal, ça fait partie de mon expérience de l'Airsoft. Donc forcément, ça me touche. Ça me touche, ça me fait chier parce qu'on avait fait d'excellentes parties, des week-ends en OP, des soirées, des restos, enfin bref. Plein de trucs, donc c'était pas que forcément des équipiers d'Airsoft, c'était des amis, c'était des amis pour moi. Voilà, sur des amis avec qui je pouvais compter, parler de tout, ma vie personnelle et nana, y a pas de souci avec ça, ils étaient là pour moi, et moi à l'inverse pour eux. Voilà, donc partir, ben, honnêtement, ben, ça me fait chier, mais bon, je les comprends hein, totalement, hein, c'est normal, c'est moi qui me suis exclu, je joue pas avec eux, donc c'est normal. Moi je comprends, j'ai pas le. Comment dire ça? J'ai pas envie de les tuer, enfin, c'est pas une bonne expression, mais j'ai pas envie de les tuer pour ça, c'est pas bien grave. Je sais très bien qu'on va se revoir sur des parties, sur des soirées, etc. En fait, ils m'ont viré par rapport à mon comportement que j'avais en dehors de l'airsoft, surtout sur Facebook quand je leur parlais. Je suis assez froid, je suis assez lunatique, du coup, ben, c'est un peu dur à gérer. Donc forcément, au bout d'un moment, ça passe, ils m'ont laissé 2, 3 chances, voilà, au bout d'un moment, ça devait lâcher, je le sentais venir, voilà. Quand on a joué dimanche, je les ai vus arriver, dire bonjour, chanter que c'était froid toute la journée, ben c'était froid, c'était pas mes coéquipiers d'MDS. J'avais l'impression de jouer avec d'autres gens, mais c'est comme ça, c'est pas grave, voilà. Donc ils m'ont dit clairement les choses, que voilà, ils ne voulaient plus me garder par rapport à ces choses-là, mais quand même qu'on pouvait jouer ensemble encore, faire des soirées, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais voilà, ils me voulaient plus dans l'équipe, voilà, simplement, je vais pas aller chercher plus loin ou trouver des excuses, c'est bon, voilà. Bien sûr qu'après avoir été viré de l'équipe, bien sûr, je l'en travers, honnêtement, je l'en travers, c'est sûr. Même si je l'ai senti venir, mais je l'en travers. Puis je me sens. Comment dire, je me sens coupable. Parce que du coup, ouais, ça vient que de moi, c'est pas d'eux. Même s'il y a eu un vote général, un vote général d'une soirée, je pense que c'est énorme pour délibérer de ça. Mais bon, c'est leur choix, je le reproche pas, même si je l'en travers. Ça me fait chier. Ça me fait chier de voir des photos. Les vidéos que j'ai fait avec eux, les bons délires qui je sais ne seront encore là, mais pas autant. Mais je sais que ça va être froid, je les connais, je sais que ça va être froid. Et voilà. Donc pour ceux qui me suivent, que moi et pas les MDS, donc s'il vous plaît, n'allez pas cracher sur eux, leur nom, leur vidéo, l'équipe MDS.
Parce que forcément, moi j'étais dans l'MDS depuis le début, du coup c'est un peu une partie de moi qui est restée dedans. Mais n'allez pas cracher sur eux, s'il vous plaît, ça me ferait vraiment chier de que des joueurs comme ça soient salis par une décision comme ça, mais c'est pas grave. Je veux juste que voilà, ça continue de jouer comme ça, qu'il n'y ait pas d'embrouille. On joue chacun de notre côté et ensemble quand on pourra. Mais je veux pas qu'il y ait d'embrouille comme ça, bêtement, on n'a pas 12 ans, voilà, on est grand, on sait se gérer, voilà. Tout simplement. Donc ensuite, je sais que beaucoup de gens vont ne plus regarder mes vidéos par rapport à ça, parce que beaucoup jugeaient beaucoup, comment dire ça, la team MDS. La team MDS, c'était une image, donc moi, je n'étais pas personnellement Tibbs, le joueur à part, j'étais MDS, j'étais vraiment un joueur MDS. Du coup, je sais que beaucoup de gens vont éviter de regarder mes vidéos maintenant. Par contre, d'autres, je sais maintenant qu'ils vont regarder, parce que il y avait des gens qui n'appréciaient pas la MDS, donc d'ailleurs j'en ai jamais parlé à personne, mais des gens n'aimaient pas la MDS, mais bon ça c'est normal, nous on n'aime pas des équipes, des joueurs, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, donc du coup, ben, pour ça me fait pas chier, parce honnêtement c'est mon travail, ça me récompense moi, les vues, les abonnés, ça me récompense que moi, c'est pas la MDS. À part sur certaines vidéos comme la multicam que j'ai faite à Lyon sur une OP, où là il y avait trois caméras avec eux, mais ça c'est pas grave, c'est... Je sais que c'est mon travail, c'est les gens sont abonnés pour moi, y a rien d'autre. Voilà. Ensuite, j'ai eu pas mal de demandes pour rentrer dans des équipes, des associations. Je ne vais pas donner les noms pour éviter les conflits, parce que venir comme ça direct le soir me demander, ben, viens avec nous, on a de la place, ça fera plaisir de jouer avec toi. Non, le soir même, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Parce honnêtement, ça me fait chier, hein, honnêtement, je le dis, ça me fait chier. Hein. Mais voilà, j'aurais pas aimé partir, mais bon, c'est comme ça. Du coup, sur le futur de Tibbs, on va dire ça comme ça, je pense rester freelance un petit moment. Déjà pour me poser, jouer avec tout le monde, avec mes amis, avec la MDS d'ailleurs. Mais rester freelance, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des équipes. Quand je vois qu'avec des amis comme ça, je me suis pris la tête méchamment et pas trop méchamment, déjà ça me fait chier. Du coup, j'ai pas trop forcément envie de rejoindre une autre équipe. Même que ce soit la Track, les Tactical Black Hat, la Saint-Lô, j'ai pas envie. Pour l'instant, j'ai pas envie, je préfère rester dans mon petit coin. Avec mes collègues, aller jouer à droite à gauche sur les mêmes parties, mais pas me prendre la tête. Me dire, tiens, le samedi, on va jouer là, tac, on fait comme ça, voilà. J'ai pas envie de faire un truc détaillé, un truc forcément strict, voilà. J'ai plutôt envie de m'amuser en ce moment, voilà. Ensuite, sur mes vidéos, en ce moment, je suis pas du tout présent. Bah, déjà, par rapport à ça, bah, j'ai pas du tout envie de faire de vidéos, ça me fait chier. De voir des images comme ça avec eux, bah, je me dis, pourquoi faire une vidéo alors que t'en as pas envie? La seule vidéo que j'aurais aimé faire, c'est celle Un Noël pour tous. Là où on a récolté à peu près 1300, 1400 euros de dons pour un hôpital avec l'association des SOCOM de Montpellier. C'est la seule vidéo que j'ai envie de monter, mais honnêtement, là j'ai repris le boulot, j'ai pas forcément envie de la faire. Voilà. Donc je pense peut-être la faire d'ici un mois ou deux, mais honnêtement, pour l'instant, j'ai pas envie. Surtout avec ces nouvelles-là, j'ai pas trop envie. Des news, alors j'ai reçu une caméra drift pour ceux qui m'ont pas sur Facebook, les caméras drift HD pour fixer à l'avant de la réplique. D'ailleurs, je ferai des vidéos avec ça en dual cam, bien sûr, ça sera monté dans la vidéo. Pour enrichir mes vidéos, apporter du nouveau contenu, un peu de nouveauté. Voilà. Parce que j'ai vu que ça faisait 6 mois quand même que j'ai pas fait de vidéo in-game, ça commence à faire énormément. Du coup, il faut vraiment que je me remotive à en faire une, mais bon, avec ce temps-là, j'ai pas forcément envie. Ensuite, pour Border War, donc pour ceux qui, pareil, qui me suivent sur Facebook, certains savent que je vais à Border War, en République Tchèque. Normalement, on devrait jouer avec l'équipe des Tracks, Danton Jim, Hamza et tout le reste. Et forcément, ben, j'ai retrouvé un boulot. Il faut bien payer les systémas et tout ça. Mais voilà, j'ai retrouvé un boulot et c'est assez strict. Et du coup, je pense pas avoir de congé ou autre pour cette période-là. Donc, du coup, je sais pas si je vais y aller. Je vais essayer de demander ou autre, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, Border War pour moi cette année, c'est pas du 100%, c'est même du 40% sûr. Et encore, voilà, je suis gentil. Donc voilà, maintenant on va parler des projets. J'avais un projet déjà il y a 2-3 mois. De faire un loadout, donc il faudra que je le fasse. Quand j'aurai fini la tenue, il me reste encore quelques détails. J'aimerais bien vous présenter un loadout complet. Pas que je vous dise, ouais, il manque ça, ça, hop, ça va aller bien avec ça. Non, je veux vraiment vous faire un loadout complet, d'ailleurs qui est bientôt fini. J'ai bientôt tout reçu. Il me reste que la Systema à bien finir, il me reste pas grand chose. Ensuite, mon projet sur YouTube, c'était de faire une vidéo, comment dire, pas zapping, mais faire un mix, par exemple, sur un mois. Je joue tous les dimanches. Sur un mois, si j'arrive pas à sortir de vidéo. C'est récupérer tous les moments de la journée d'un genre des frag movies, voilà, des frag movies par exemple, où je ferai les meilleures actions, les meilleurs kills en vidéo avec des musiques,
et je ferai ça une fois pour moi. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo ou sinon vous n'aimez pas du tout et à ce moment-là j'en ferai pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vraiment vous voulez ce genre de vidéo, si j'en sors pas une par mois, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on arrive à la fin, ça y est. Donc j'espère que vous avez bien compris pourquoi j'ai été viré, nani nana, toutes les explications. J'espère vous avoir tout donné, n'avoir rien à oublier. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et pour ceux qui habitent pas loin, j'espère que vous allez m'inviter sur des parties. Du coup, vu que j'ai plus d'équipe, j'espère que vous allez m'inviter sur des parties pour pouvoir jouer, que ce soit à droite, à gauche. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo explication. Voilà. C'est tout pour moi. Allez.